Votre piano est fini, madame, mais je ne sais pas si j'aurai le cœur de m'en séparer. C'est une merveille. J'ai défendu qu'on y touche. Je tiens à ce que vous soyez la première à le faire résonner sous mon toit. Merci, cher monsieur. Je vous en prie, madame. Mais c'est votre piano. Qui se permet? Mais monsieur Erard, je ne sais pas, je n'ai vu personne. Comment vous? Excusez-moi, monsieur, c'est urgent. Je vous en prie. Incroyable, cet objet existe. Il me semblait tout à l'heure qu'il n'y avait rien entre vos doigts et l'âme de la musique. Comment faites-vous? Franz, mon cher, je vous sais obligé de passer vos fureurs sur d'autres pianos que les miens. Encore une corde cassée? Il dit ça sans frémir, le monstre. Vous n'avez jamais rencontré, madame, de plus dangereux briseur de clavier. Franz Liszt, comtesse d'Agoult. Je n'avais, monsieur, jusqu'à ce jour, jamais entendu jouer du piano. C'était rare, madame, qu'il faut complimenter, et il s'est surpassé. Qui ne jouerait à merveille sur un instrument aussi parfait? Puisque ce piano vous plaît tant, me ferez-vous le plaisir de venir en jouer chez moi vendredi prochain? Je reçois quelques amis. Vous viendrez, n'est-ce pas? Ce sera pour moi un grand honneur. Merci, Erard. Je compte sur vous. Monsieur Liszt, mon corde de piano.